Bonjour à tous et bienvenue dans ce ShipShape consacré au Hammerhead. Les informations contenues dans le RTV seront intégrées dans ce ShipShape. Le Hammerhead a bénéficié d'un processus de création accéléré grâce à l'Idris et au Javelin, dont de nombreuses parties ont été réutilisées, comme les corridors. Ils ont été évidemment retravaillés selon les besoins, entre autres pour leur donner un aspect plus militaire. Le challenge avec la réutilisation de ces corridors est qu'ils sont massifs et prennent de la place. Du coup, de nombreux composants se retrouvent intégrés dans ces espaces plutôt que d'avoir leurs propres pièces. Dans le concept original, le vaisseau ne possédait qu'un seul pont. Seulement au cours du développement, il s'est avéré nécessaire d'avoir un espace de vie, ainsi qu'une cuisine. Ils ont donc abaissé une partie du vaisseau pour libérer de l'espace pour un deuxième pont. Les pièces comme la soute à cargo ou la salle des moteurs possèdent une esthétique propre au Hammerhead. Le cockpit a aussi changé depuis le concept original, car une plateforme a été ajoutée au-dessus de cette immense baie vitrée pour vous permettre de marcher et de rejoindre le pilote. Le Hammerhead tient son nom du requin-marteau, ce qui a orienté son design vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Le concept original était une navette de patrouille de taille similaire au Retaliator, avec de plus grosses tourelles, mais sans torpilles. Seulement, ils se sont aperçus que pour de plus grosses tourelles, il fallait un plus gros générateur, et que pour un plus gros générateur, il fallait une plus grosse salle des machines, etc, etc. Il est donc devenu un peu plus costaud, mais sans devenir surdimensionné. Sa taille actuelle est d'environ 115 mètres de long pour 75 mètres de large, et 16 mètres de haut, avec un équipage maximum de 9 personnes. Son rôle principal est un rôle de support, où il devra défendre de plus gros vaisseaux comme un Idris ou des stations comme Port Elisa. Vous pourrez transporter du cargo grâce à sa soute, mais ce n'est clairement pas son utilité première, car sa soute ne fait que 40 SCU. Il possède 6 tourelles, chacune équipée de 4 canons de taille 4, ce qui vous offre une couverture optimale, même s'il possède un éventuel angle mort près de ses réacteurs. Vous devriez avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir les utiliser tout en même temps. La spécificité des tourelles du Hammerhead est qu'elles sont montées sur un pivot s'éloignant du vaisseau, permettant une plus grande couverture. Dans le futur, vous aurez éventuellement la possibilité d'automatiser certaines des tourelles, mais vous n'aurez pas la place suffisante pour installer les ordinateurs pour les 6 tourelles. De plus, un contrôle manuel sera toujours plus efficace. Une autre possibilité sera d'en asservir certaines à la visée du pilote. Les tests n'ont pas encore été faits, mais le Hammerhead devrait être très puissant contre des installations terrestres. Étant donné que durant votre descente, 5 tourelles seront disponibles pour attaquer votre cible, cela devrait rendre le Hammerhead très intimidant. Concernant sa vitesse, le Hammerhead est relativement lent comparé à d'autres vaisseaux, mais vu sa puissance de feu, fournie par des répéteurs Rhino de chez Klaus & Werner, il ne craindra pas les attaques. Dans l'ensemble, le Hammerhead est un vaisseau très solide. Tout l'avant du vaisseau possède une sorte de blindage dans les cas où vous auriez besoin de faire un assaut frontal. Le Hammerhead est prévu pour la 3.3 et viendra grandir la flotte des vaisseaux de Star Citizen. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord de Roxy La Rotule. Les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee. Mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt, bisous des étoiles.